Afin d'apporter la parole de Dieu. Mon thème de ce soir, il y a 2000 ans, Jésus était à Nazareth. Mais où est-il aujourd'hui? Amen. Je pense bien que c'est une question à laquelle plusieurs n'ont pas pensé. Mais je crois que si nous disons que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, si nous aimons Dieu, je crois que normalement, c'est une question qui doit nous intéresser. Et à tous ceux qui suivent le direct, que Dieu vous bénisse. Partager le direct afin que ceux-là à qui le salut est destiné aussi puissent l'écouter et puis être sauvés. Amen. Bien, nous en sommes au vif du sujet. Donc, comme je l'ai dit, mon sujet de ce soir, c'est « Il y a 2000 ans, Jésus était à Nazareth. Où est-il aujourd'hui ?» Et je crois que c'est un sujet assez important. Si tu es catholique, protestant, évangélique, banamiste, qui que tu sois sur la terre, toi et moi et toute la terre connaissent l'histoire de Jésus de Nazareth. Nous savons tous, par les écrits bibliques, qu'il y a 2000 ans en Israël, se déroulait l'un des feuilletons les plus importants de l'histoire de l'humanité. Et cela a eu lieu en Israël. Et celui qui était au cœur de l'histoire, c'était Jésus de Nazareth.
Donc, tout le monde convient que Jésus était à Nazareth, était en Israël il y a 2000 ans. Mais la question que plusieurs ne se posent pas aujourd'hui, ce Jésus qui était à Nazareth il y a 2000 ans, où est-il aujourd'hui? Où est-il aujourd'hui? Et c'est cette question-là que tout le monde a répondu. Vous voyez, il y a 2000 ans, Jésus prêchant là-bas en Israël, des personnes lui ont posé des questions. Ils lui ont posé des questions lui demandant, par exemple, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? On peut lire cela dans Jean 6, versets 28 à 29. Des gens ont posé la question à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et alors Jésus a répondu pour dire que l'œuvre de Dieu, non pas les œuvres, mais l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu envoie. Vous voyez, l'œuvre de Dieu est tellement simple que les hommes ont toujours manqué cela. Les hommes ont considéré que l'œuvre de Dieu est tellement grande que c'est forcément au pluriel, les œuvres de Dieu. Mais Jésus lui-même en ce temps a résumé pour dire non, ce n'est pas les œuvres de Dieu, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et alors il a enseigné la parole et les gens ont pu écouter ce qu'il disait. Oui, une poignée d'hommes a cru, mais la grande majorité n'a pas cru et l'a rejeté et l'a crucifié. Vous voyez? Mais aussi dans Matthieu 24, le verset 27, alors qu'il lui avait posé la question de savoir, quand sera-t-il de son retour? Et Jésus a donné une réponse assez intéressante qu'on va lire simplement ensemble pour voir réellement comment appréhender, vous voyez, le lieu où Jésus est aujourd'hui. Matthieu chapitre 24, je lis le verset 27. Il est écrit là-bas, car comme l'éclair sort de l'Orient et apparaît jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. La venue du Fils de l'homme a été décrite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même comme la trajectoire d'un éclair qui sort de l'Orient et apparaît en Occident. Il dit là-bas que c'est de cette façon que va se passer la venue du Fils de l'homme sur la terre. Vous voyez, l'éclair qui part de l'Orient et apparaît en Occident. Oui, selon la parole de Dieu, le salut vient des Juifs. Je pense que vous le savez très bien, c'est dans la Bible écrit. Le salut vient des Juifs. Et Israël est situé en Orient, à l'est de l'humanité. Donc c'est là-bas premièrement qu'il était question de salut. Et depuis Israël, l'éclair, vous voyez, qui est la parole de Dieu, a suivi une trajectoire. Vous voyez, de l'Orient en Israël, la parole a voyagé et la parole est allée en Europe. Vous voyez, en Europe, il fut un temps où Dieu avait suscité beaucoup, beaucoup de messagers. Vous voyez, plusieurs messagers. Et en ce temps-là, l'Europe était bouillante pour la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de Irénée, lorsqu'on parle de Colomba, lorsqu'on parle de Saint-Martin de Tours, lorsqu'on parle de Jean Calvin, lorsqu'on parle d'Ulrich Zwingli, lorsqu'on parle de ces illustres hommes, vous voyez, ce sont des Européens qui ont apporté la parole en leur temps, et en leur temps, vous voyez, l'Europe était bouillante pour ce qui concerne les choses de Dieu. Et cela a eu lieu, et c'est déjà passé. Et lorsque la parole a quitté l'Europe, la parole a encore progressé, et la parole est arrivée en Amérique, avec un homme qu'on appelait William Branham. Et William Branham a apporté le réveil en Amérique. Il a apporté un message puissant pour ramener dans l'Église la notion de prophète. Et William Branham, en son temps, l'Amérique était bouillante pour ce qui concerne les choses de Dieu. Or, lorsque la trajectoire continue, vous voyez, de l'Occident maintenant pour retourner en Israël, selon, vous voyez, Apocalypse 11, vous voyez, alors l'éclair passe par l'Afrique. Et donc, ce Jésus qui était à Nazareth il y a 2000 ans, c'est le même Jésus-Christ qui s'est manifesté là-bas en Europe quand on parlait de John Wesley. C'est le même Jésus-Christ qui s'est aussi manifesté là-bas lorsqu'on parle de Martin Luther en Allemagne. C'est le même Jésus-Christ qui s'est aussi manifesté là-bas lorsque Jean Calvin prêchait. C'est le même Jésus-Christ qui s'est aussi manifesté là-bas lorsque Saint-Martin de Tours, vous voyez, prêchait là-bas en Europe. Car la parole dit, dans Apocalypse 19, verset 10, que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Vous voyez? L'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. En nous, c'est le prophète vivant
qui va témoigner de Jésus-Christ sur la terre. Et alors, quiconque veut connaître Jésus-Christ doit nécessairement écouter ce prophète-là en train de prêcher, car les paroles qu'il vous annonce ne sont pas de lui, mais ce sont les paroles infaillibles de Dieu dans sa bouche. Ainsi donc, ce Jésus qui était là-bas à Nazareth il y a 2000 ans se déplace en chaque génération de messagers, de prophète à prophète. On va lire encore dans Jean chapitre 4 l'entretien que Jésus a eu avec la femme samaritaine. Vous voyez, cet entretien normalement devait aider les hommes à comprendre. Je vais lire cela rapidement. Jean 4, le verset 19. La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne-ci. Et vous, vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. » Et Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient que vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, vous adorez, vous ne savez quoi. Nous, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tel qu'il adore. Dieu est esprit. » Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc Jésus-Christ, qui était à Nazareth il y a 2000 ans, n'est plus à Nazareth. Ce Jésus-Christ-là, il n'est pas dans la Bible non plus. Mais où est-il aujourd'hui? Normalement, ton pasteur, ton évêque, ton bishop, ton prêtre, doit pouvoir te le dire. Parce que Jésus, vous voyez, il a dit à la femme que l'heure vient et elle est maintenant venue que vous n'adorerez pas le Père sur cette montagne ni à Jérusalem. Mais il y a eu un temps où Dieu a voulu que son nom soit élevé et célébré à Jérusalem. C'était l'époque du roi Salomon. À l'époque du roi Salomon, c'est Dieu lui-même qui a demandé à Salomon de lui bâtir un temple à Jérusalem. Afin que, vous voyez, afin d'y faire résider son nom. Donc en ce temps-là, quiconque voulait adorer Dieu, voulait adorer Jésus-Christ, qui est le Tout-Puissant, devrait faire un exode pour aller à Jérusalem. Mais ce temps-là est passé. Parce que le Dieu que nous adorons, ce n'est pas une statue, mais c'est un Dieu qui se déplace, c'est un Dieu qui est vivant. Ainsi donc, en accord avec Matthieu 24, 27, Jésus-Christ qui était à Nazareth il y a 2000 ans, aujourd'hui ce Jésus-Christ se manifeste en Afrique noire. Selon la promesse de Matthieu 25, verset 6, qui dit que alors que l'époux tardait, les vierges se sont assoupies et endormies. Mais à minuit, il se fit un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Jésus qui était à Nazareth il y a 2000 ans, aujourd'hui, il n'est plus à Nazareth, mais ce Jésus-Christ-là, il se révèle, il se manifeste aujourd'hui sur le continent africain, avec un prophète africain. Car les promesses bibliques indiquent clairement qu'aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant qui était avant avec Israël, ce Dieu Tout-Puissant est descendu en Afrique et s'est révélé à un prophète africain qui s'appelle Kapou Philippe. Lisez Ésaïe 19, le verset 20. Et vous verrez qu'il y a des prophéties qui concernaient l'Afrique depuis longtemps et qui n'avaient pas été encore accomplies. Jésus n'a pas accompli cela. Moïse n'a pas accompli cela. Paul n'a pas accompli cela. Mais celui qui a accompli cela aujourd'hui s'appelle Kapou Philippe. Et Kapou Philippe aujourd'hui accomplit la parole de Dieu. Vous voyez? Kapou Philippe accomplit la parole de Dieu aujourd'hui. Et Jésus-Christ, qui était à Nazareth il y a 2000 ans, se manifeste aujourd'hui en Afrique. Alors que toi, tu as ta Bible. Vous voyez, la Bible ne peut pas être le guide d'un enfant de Dieu sur la terre. Puisque la Bible est un livre. Et un livre, c'est un objet. Et un objet ne vit pas. Un objet ne peut pas parler à quelqu'un.
Un objet ne peut pas conduire quelqu'un, mais c'est un homme qui peut prendre un objet et guider l'objet. Donc la Bible ne peut pas guider un homme sur la terre pour le conduire à Dieu. Souvenez-vous un peu, il y a 2000 ans, lorsque Jésus-Christ est né là-bas, où est à Bethléem, ce n'est pas la Bible qui a dit aux mages où l'enfant est né. Ce n'est pas en lisant la Bible que les mages ont su cela, mais les mages ont su cela d'une autre manière. Mais pourtant, ceux qui avaient la Bible, ceux qui avaient les mots de prophétie, qui connaissaient l'Écriture, n'en savaient rien. Caïphe était à Jérusalem, il ne savait même pas que Jésus était né là-bas à Bethléem. Vous voyez, tous ces grands rabbins étaient assis là-bas à Jérusalem et aucun ne savait que l'enfant était né là-bas à Bethléem. Si ce n'est les mages qui l'ont su en suivant l'étoile. Et aujourd'hui, la Bible que vous avez ne vous a rien dit pour vous dire que oui, en Afrique maintenant, il y a un sauveur que Dieu a fait naître. Et que ce sauveur s'appelle Kakou Philippe. Et que c'est avec lui aujourd'hui que Dieu se trouve. Et c'est avec lui que Dieu sauve aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a envoyé un prophète appelé Kakou Philippe. Et Dieu a mis en lui ses paroles. En sorte que aucun homme ne peut aller au paradis s'il n'a pas préalablement reconnu Kakou Philippe comme étant l'unique vrai prophète sur terre aujourd'hui. Aucun homme ne peut aller au paradis s'il n'a pas au préalable été disciple du prophète Kakou Philippe en mettant en pratique les enseignements de Kakou Philippe. C'est la seule condition pour aller au paradis aujourd'hui. Tous ceux-là qui parlent, disant que oui, Kakou est un homme, pourquoi on doit avoir un homme pour aller au paradis? Il n'est pas Dieu, et ainsi de suite. Vous voyez, un homme qui parle ainsi, il n'a pas tout ce sens. Puisque la parole de Dieu vient à l'homme sur la terre. Ce que Jérémie a prêché, c'est la parole d'un homme ou bien c'est la parole de Dieu? Ce que Paul a prêché, c'est la parole de d'un homme ou alors c'est la parole de Dieu? Parce que si c'est la parole de Dieu, alors certainement, ce qui est en train de prêcher, tu ne peux pas aller à Dieu si tu n'as pas accepté cela. Et aujourd'hui, je suis là pour te dire que tu ne peux pas aller au paradis si tu n'as pas accepté ce que prêche le prophète Kakou Philippe. En dehors de Kakou Philippe aujourd'hui, il n'y a pas de salut sur la terre. Qui que tu sois européen, africain, asiatique ou américain, ou vous voyez de l'Océanie là-bas, tu ne peux pas aller au paradis si tu n'as pas accepté Kakou Philippe vivant aujourd'hui sur la terre. Kakou Philippe a les paroles de la vie éternelle pour notre génération. Tu dois appliquer ces enseignements pour aller au paradis. Mais si tu le rejettes et que tu meurs dans une église catholique, protestante, évangélique ou baramiste, ou bien une religion sur la terre, alors tu meurs, tu vas en enfer. Le salut, c'est uniquement pour ceux qui ont reconnu le prophète vivant de leur temps. Et aujourd'hui, Kakou Philippe est le seul homme par lequel l'homme peut être sauvé. Il y a 2000 ans, Jésus était à Nazareth, mais aujourd'hui, Jésus est en Afrique. Et Jésus est descendu se révéler à Kakou Philippe ici en Afrique afin de sauver aussi ses enfants qui sont en Afrique noire. Car parmi aussi les Africains noirs, il y a aussi des enfants de Dieu. Et lorsque Dieu veut sauver, il n'envoie pas un prophète mort, il n'envoie pas un livre, il envoie un vivant, un prophète vivant. Parce que Moïse n'était pas un cadavre. Jérémie n'était pas un cadavre. Paul n'était pas un cadavre. Mais c'était des prophètes vivants. Et aujourd'hui, Kakou Philippe est ce prophète vivant par lequel toi tu seras sauvé. Le rejeter, c'est accepter l'enfer et signer sa propre condamnation. Vous voyez, j'ai voulu être bref aujourd'hui afin de vous voyez, d'essayer de vous réveiller, vous faire comprendre que selon votre propre Bible, Jésus n'est pas une statue qui a été là pendant 1000 ans, mais Jésus-Christ n'est plus à Nazareth, Jésus est maintenant en Afrique. Croyez cela, croyez à vous Philippe, et vous irez au paradis. C'est cela, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen.